Oui, nous avons eu la chance d'obtenir une chaire Gutenberg à l'Université de Lorraine, ce qui permet de reconnaître les travaux de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans, qui existe depuis 1992, d'abord à l'Université de Strasbourg, puis à celle de Metz et de Lorraine. Et justement, notre travail à la fois de traduction, de commentaires, et donc le travail franco-allemand que nous menons depuis désormais une vingtaine d'années. La place des questions parisiennes dans l'œuvre Descartes est tout à fait centrale. Les questions parisiennes font partie de la seconde partie de l'œuvre tripartite, de l'œuvre des questions. La première étant l'œuvre des propositions et la dernière, l'œuvre des expositions, c'est-à-dire des commentaires de l'écriture. Jusqu'ici, on disposait du prologue général de l'œuvre Descartes, du prologue à l'œuvre des propositions, et à l'œuvre des questions, et d'un certain nombre de commentaires de l'écriture. Mais on n'avait pas les questions parisiennes, ce qui fait avancer la recherche écartienne. L'apport des questions parisiennes est fondamentalement théologique. Il y a tout l'apport à la théologie trinitaire, à la christologie, à l'anthropologie. Donc c'est un renouvellement véritable des études écartiennes qui est apporté par les questions parisiennes, à la fois un tournant pour ces questions parisiennes, parce que Descartes est vraiment celui qui est un pionnier dans différents domaines, et aussi une contre-épreuve, étant donné que l'on voit dans les questions parisiennes le Lesemeister à l'œuvre, l'enseignant, qui complète aussi le Lebemeister.